Voici le hautbois. Il appartient à la famille des bois car il possède une anche. Pour jouer dans le hautbois, on doit rentrer les lèvres comme ceci. Ses ancêtres remontent à l'Antiquité et on trouve des instruments de la famille du hautbois dans de nombreuses civilisations. Il a ensuite évolué avec l'ajout de clés permettant de multiplier le nombre de notes. Le hautbois peut se jouer seul, avec piano, en duo, trio, quatuor, quintette, en orchestre d'harmonie ou en orchestre symphonique. Le hautbois se trouve au centre de l'orchestre symphonique et c'est lui qui donne le la avant les répétitions et avant les concerts, c'est-à-dire qui permet aux autres instruments de s'accorder. Je vais vous jouer l'extrait d'une symphonie, la symphonie en ut de Georges Bizet. Voilà, j'espère vous avoir fait découvrir cet instrument.